Cette semaine, nous proposons une recette à base de butternut. On va faire un cappuccino de butternut. Donc avec sa petite crème fouettée à l'huile de noix, pignon de pain et petites chips de topinambour. Pour faire ça, un bon butternut, on le pèle avec un couteau, tout simplement. Ensuite, pour accélérer la cuisson, on taille notre butternut en cubes. Et voilà, une fois que le butternut est taillé, on passe à la cuisson. Pour la cuisson, on met notre butternut, vous mettez votre butternut dans une casserole, tout simplement, avec de la crème. Du lait à hauteur. On n'oublie pas d'assaisonner avec du sel fin, un petit peu de poivre. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. À feu moyen, légère ébullition. Pendant que votre crème de butternut cuit, on prépare donc la petite crème fouettée. 25 cl de crème qu'on met à fouetter, un petit peu de sel, une pincée de sel, une pincée de poivre tout simplement, que vous pouvez agrémenter à la maison avec toutes les épices que vous voulez, que ce soit de la cannelle, du cumin, du paprika ou même pourquoi pas une mousse aux herbes si vous préférez avec un petit peu d'estragon, ça peut être excellent aussi. À vous de vous faire plaisir dans votre maison comme vous le souhaitez. Maintenant que notre butternut est cuit avec notre crème, on n'a plus qu'à le mixer. Donc dans un blender ou avec un mixeur à pied plongeant comme on a à la maison pour faire les soupes, c'est très bien aussi. Le résultat sera bon. Voilà. On verse tout. Et maintenant que notre mousse est prête, notre cappuccino est prêt, on passe au dressage. Notre cappuccino est prêt. Il est chaud, il vient d'être mixé. On n'a plus qu'à verser dans l'assiette. Un petit peu de crème fouettée pour avoir la crème mousseuse du cappuccino. Quelques pignons de pain. Quelques chips de topinambour. Un filet d'huile de noix. Et c'est prêt. Bon appétit!